quand on tombe dans l'eau, on boit de l'eau. Et quand tu tombes au sol, ton habit est obligé de prendre la poussière. Ça, tu ne peux pas retirer ça. Je demande, ton truc est soit dans ta tête, ou c'est l'asticot qui tourne selon ton cerveau, qui commence à délirer là. Ça s'est encore relevé. Laissons tomber là. Tu sors les proverbes sans sens. Tu vois qu'on est ici au village, pourquoi tu parles comme les grands-pères là? Tes histoires de quand tu tombes dans l'eau, tu bois l'eau sur le poisson pour tomber dans l'eau. Ça signifie quoi? Ton problème là signifie quoi? Moi, je suis là pour ça. Raconte-moi quoi? Tu connais Kiki, non? Oui. Voilà. Elle t'invite à son anniversaire. Non. Parce qu'elle croit qu'elle est quelqu'un. Uh-huh. Elle se vante. Uh-huh. Alors qu'elle passe le temps à escroquer les gens. La goa fait son anniversaire. Elle a elle-même gâté la chose à cause de son gros cœur. Pourquoi tu as posé la fausse sur tout? Pourquoi tu as posé la fausse sur tout? Viens, tu veux en paix, tu veux me tuer, pourquoi? Tu veux me tuer, pourquoi on peut s'entendre? Pourquoi tu me dis? Moi, je laisse mon sol, les gens utilisent n'importe comment. Enfin, tu es venu. Ouais, ton acolyte de toujours. Ça te concerne à quoi? Tu demandes par rapport à quoi? Je demandais seulement aussi, non? Tu le connais où? Il arrive. Si ce n'était pas qu'il a eu reçu un coup de fier, il est venu avec lui. Tu vois que Kiki ne voulait pas te lâcher. Mais je dis, ton problème à quel niveau? Ça te regarde où? Si, je suis sûr qu'on vous a chassé de l'anniversaire là. Mais tu ne joues pas avec moi. Ne joue pas avec moi comme ça. Je vais te faire mal où je suis là. C'est ma faute si on vous a chassé de la rivière. Il faut avoir le courage de dire qu'on t'a chassé. Tu viens maintenant, tu t'en prends à moi. Je peux te faire très mal où je suis là. Seulement mal. Fais même femelle. Laisse-moi maintenant, pardon. J'ai seulement demandé, non? Là, prévenu. Tu viens passer tes nerfs sur moi. Marie, même c'est devenu choix les dos que tu as damé. Mais la mère t'est venue prendre l'argent que quand il mange souvent, c'est à toi que je paye. C'est pas elle que je paye. Elle t'envoie papa à quoi? Mais Denjanga, par rapport à quoi toi tu dis que tu dois payer? Payer? Faut payer. Mon frère, je vais payer. Il m'a dit que je ne paye pas. C'est pas la première fois qu'il mange chez vous. Je paye toujours. Mais quand tu regardes, même déshabillé pour travailler, je me suis déshabillé. Je prends l'argent où? Je vais payer demain. Ah! Quand il s'agit d'organiser les anniversaires d'Engaokwata, hein, tu as les dos pour dépenser. Et quand il faut payer ce que tu as damé, tu n'as pas les dos. Tu sais quoi dans ma vie privée? Tu veux quoi dans ma vie privée? Ma vie privée te concerne en quoi? Toi, c'est pas ta vie privée? Ma vie privée, ça ne regarde que moi, ça te concerne en rien. Voilà. Zanga, tu as 2 minutes. Oui, 2 minutes. Il y a quoi ici, papa? Maman, regarde-moi un bout de laveur comme ça. Il dame la nourriture de marée, mais il ne veut pas bayam. Ok. Hein? Donc, c'est un laveur de voiture. Il t'avait jusqu'au quoi, non? On se connaît. Donc, tu laves seulement les voitures, papa? Tout le monde se connaît. Tu me connais où? Regarde-le. Tu me connais? Donc, tu laves les voitures. Prostituée en solde. Tu as vu comment tu as fait ce qu'on a tellement manqué de respect, non? Tu as vu comment tu as fait jusqu'à n'importe qui me parle n'importe comment, non? Il me semble que je ne me paye pas. Il y a quoi? Zanga, mon temps est en train de s'écouler. Et si tu veux voir la face de Big Rider City? Oui.
Je vais te payer. Je vais te payer. Je sais que tu veux seulement la bagarre, mais je ne veux pas bagarrer avec toi. Je vais te payer. Hey. Mais c'est la dernière fois qu'il m'encore chez vous. Il dit que plus. Donne ça. Tu me dois 300, hein. Donne 300. C'est au commissariat que tu vas choisir ça. Black. 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 Y'a quoi? Est-ce que tu peux m'écouter un peu, s'il te plaît? Quand tu parles de quoi? Tu sais qu'à chaque fois, lorsque tu ouvres ta bouche, c'est tout pour dire des bêtises, des énormités qui n'ont aucun sens. J'espère que pour une fois, tu vas dire quelque chose de réfléchi. Écoute, Black. Toutes les fois où tu as refusé de m'écouter, tu as toujours foncé droit vers le mur. Rends-toi à l'évidence. Mon frère, ne me donne pas les leçons, hein. Si tu me dis quelque chose, tu me dis où tu quittes là-bas. En fait, ce que je vais te proposer, c'est ceci. Faisons du Vigie notre allié. Parce qu'avec lui, on peut vaincre Kiki. Notre allié? Oui. Réfléchis-y bien. Que penses-tu de ma femme Kiki? Patron, je ne comprends rien de votre question. Est-ce que tu penses que Kiki est sérieuse? Patron, nous marchons ensemble. Le regard que j'ai d'elle, je pense que c'est le même que vous avez aussi. Ne tourne pas autour du pot. Je vais savoir si ma femme me trompe. Je n'en sais rien, patron. Ce qui s'est passé le jour de l'anniversaire continue de me hanter. Il y a quelque chose de louche dans cette affaire-ci. Ah, patron, comme vous le dites. Ah, Sorel, c'est comment non? La copine de quelqu'un. Enfin, tu as pensé à moi. Maman, devine. J'ai une grosse nouvelle comme ça pour toi. Tu sais, j'aime pas les devinettes. Vas-y droit au but. Est-ce que tu sais que le gars qui a arraché la perruque sur la tête de ta copine là est un laveur de voiture? Oh, il y a quoi de mal à cela? On dit, il n'y a pas de sous-métier, mais de sotte personne. Oh, maman, je t'ai déjà dit que quand tu veux t'adresser à moi, tu prends d'abord tes gros mots là, tu mets de côté avant de me parler toi-même. Comment un laveur de voiture comme celui-là peut draguer une fille comme Kiki? Seulement, la gamme de lait de celle-là est l'équivalence de son dur labeur, au moins pendant 365 jours. Moi, je ne trouve aucun mal au fait qu'il ait dragué Kiki. C'est une femme comme toutes les autres, non, ma? Tu peux pas dire ça. On dit qu'il faut accrocher son sac là où l'on peut le décrocher facilement. Attends un peu. Sorel, c'est ce que tu voulais me raconter. Oh, et tu simplifies ça. Donc tu es quitté de chez toi, cognant, cognant, cognant. Je pensais que tu es venu me rendre visite parce que je te manquais. Pourtant, tu es venu encore faire le soco chez moi. Vraiment, toi là, il faut changer. Ouais, je vais tout faire pour rencontrer son patron là. Et lui raconter toute la vérité sur sa prostituée de Kiki. Celle-là, je vais pas la louper. Sorel, ne t'avise même pas. Je dis bien, ne t'avise même pas. En tout cas, tu es prévenu. Oh, tu ne vois pas aussi celle-ci. Elle me donne les ordres. Oh. Je ne suis pas en train de blaguer. Si tu le fais, toi et moi, on va se gâter en vrai. Je suis sérieuse. Et ça va changer quoi? Ne me nourris plus. Nya, ne me nourris plus. Tu ne vois pas. Ah, vraiment cette fille. Elle veut gâter la relation entre Kiki et son gars. Pourquoi est-elle si méchante? À cause de l'incident d'hier, mon gars est devenu distant.
Il ne m'écrit plus. Il ne m'appelle plus comme d'habitude. Non, mais ma chérie, qu'est-ce que tu crois? Il n'est pas né de la dernière pluie. Il a certainement remarqué quelque chose de louche. Oh. Tu peux avoir raison. Mais j'espère que tu ne dois rien lui dire. Hein? Non, je ne le ferai pas. Mais ma chérie, dis-moi un peu. Tu comptes continuer ce double jeu jusqu'à quand? Hey. Tu as déjà commencé. Je ne suis pas venue ici écouter tes leçons de morale. De toutes les manières, j'ai mon rendez-vous avec lui. Ou c'est de l'anniversaire qui veut parler au... Je ne sais pas. Je pense que tu devrais aller à ce rendez-vous. Ok? Bon, peut-être tu as raison. Bon, j'y vais de ce pas alors. À plus alors. À plus. Ma copine Kiki, la go de way. Ha, la go s'il me dépasse. Tu as un gars qui te donne tout. Qui t'achète vêtements, crève brésilienne, voiture. Qui te loue un appartement à Bonaprizo. Et tu oses le tromper avec un petit laveur de voiture. Aïe! Mon Dieu, ça c'est le comble. Hé, hey, Vigile, tu n'as pas travaillé aujourd'hui? Non, je vais faire une commission de mon boss. Ah, ok. Ça tombe bien comme je t'ai vu. Il y a quoi? L'autre jour, ta copine m'envoie gérer tes retours, tu passes sans me voir. Mais tu as été payé pour ton service, non? C'est ce que tu dis maintenant. Je passe mon temps à gérer tes retours au quartier, bagarrer avec les gars par-ci, par-là. Tu viens me dire que tu m'avais payé, n'est-ce pas? Monsieur, c'est les risques du métier. Tu as été payé, donc j'ai le retour. C'est tout. C'est ce que tu dis? Oui. C'est ce que tu dis? Il n'y a pas de problème, maman. Comme je gère mes retours, là, sache que toi-même, tu vas gérer tes retours. Chaque métier a ses risques. Ok. J'espère seulement que tu vas gérer ton retour. Mais moi, je vais te gérer propre. Merde, toi tu n'es pas facile, tu n'es pas simple toi là. Mais calme-toi, je vais te gérer. Alias Black Oyalobétis, humoriste biodégradable, président du comité de normalisation de la musique camerounaise. Même si je tape les casseroles, vous allez seulement danser. Les enfants, arrêtez de vous amuser car c'est l'heure de la vraie musique. On y va! Yeah!